Le tapis de course est un des appareils fitness les plus utilisés pour garder la ligne. Il est pratique pour faire du sport à la maison et à son propre rythme. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, vous pourrez toujours pratiquer le running, mais cette fois-ci à l'abri. Si vous avez décidé de vous en offrir un, vous avez sans doute remarqué la multitude d'options qui s'offrent à vous, et il est parfois difficile de faire le bon choix. Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous les 3 meilleurs tapis de course du marché. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun guide d'achat et comparatif, et ainsi faire le bon choix. Profitez-en également pour laisser votre avis sur cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez retrouver le meilleur prix de chaque produit présenté dans ce comparatif en dessous de cette vidéo, dans la description. Commençons notre top 3 par le meilleur tapis de course de cette sélection, le Nordic Track T14. Ce modèle possède une surface de course de 152 par 46 cm, idéal pour les grands gabarits. Pouvant supporter jusqu'à 125 kg, il vous permet de courir à une vitesse maximum de 22 km/h, tout en réglant l'inclinaison jusqu'à 10% via sa console de contrôle. Avec le ventilateur autobrise, vous profiterez de séances sportives au frais avec un ajustement automatique de sa puissance en fonction de la vitesse du tapis. La température du flux d'air est aussi personnalisable avec les commandes de la console. L'un des points majeurs du T14 est son système AmortiFlex qui vous donne la possibilité de vous rapprocher au maximum des sensations sur route tout en préservant vos genoux. Même si cette technologie absorbe parfaitement les impacts, nous vous conseillons de porter des chaussures avec un bon amorti pour obtenir un résultat optimal. Les points clés de ce modèle. Concernant les plus, on notera sa surface de course, sa vitesse de pointe, son ventilateur autobrise, la technologie AmortiFlex. Pour les moins, il nécessite un grand espace et son prix est un petit peu élevé. Passons à notre deuxième sélection, le Performance 410i de Proform. Ce modèle dispose d'une surface de course de 51 par 140 cm et atteint une vitesse de pointe de 18 km/h. Il permet un ajustement des pentes jusqu'à 10% afin de permettre de graduer l'effort et de solliciter différents muscles. Afin de varier les séances et d'optimiser l'entraînement, il propose 10 programmes pré-réglés. Une autre de ses qualités est le rembourrage ProShox de son tapis, qui amortit le pas et contribue à préserver les articulations. Son écran LED donne les différentes données utiles comme l'angle de la pente, la fréquence cardiaque, la puissance, la vitesse, le temps et la dépense calorique. Sa taille imposante peut être un inconvénient lorsqu'il est déplié et nécessite un grand espace pour l'utiliser. On peut aussi noter qu'il manque des explications pour le montage et les paramètres de la console. Concernant les points clés de ce modèle, on notera en point positif la variété de ses programmes, son système d'ajustement des pentes et son système ProShox. Pour les points négatifs, nous avons relevé le manque d'explications dans la notice et le fait qu'il nécessite un grand espace. Voici maintenant le troisième et dernier tapis de course, le Sporttech F10. Ce modèle est le moins cher de notre sélection. Le Sporttech F10 permet d'aller jusqu'à une vitesse de 10 km/h. Il conviendra pour la remise en forme ou encore de la marche. Sa surface de course est de 100 cm de long et 33,5 cm de large, ce qui est le minimum et donc ne convient pas aux personnes de grande taille. Elle est dotée d'un revêtement multicouche qui protège vos genoux et vos articulations pendant les séances. Malheureusement, la pente n'est pas réglable. Ce modèle vous permet d'optimiser vos séances grâce à 12 programmes. Ceux-ci sont assez classiques mais efficaces. Un 13e programme peut être personnalisé en fonction de vos objectifs et de vos besoins. Le tapis de course possède un support sur lequel vous pourrez poser votre tablette ou smartphone afin d'en faire un écran de contrôle via l'application iFitShow. Pour finir, ce Sporttech F10 ne pèse que 27 kg. En plus d'être pliable, il possède des roues pour le déplacer et faciliter son rangement. Après cette rapide présentation, voyons maintenant les avantages et inconvénients de ce tapis de course. En point positif, nous avons relevé son prix, sa connectivité Bluetooth, sa praticité pour le rangement. Pour le négatif, la pente n'est pas réglable, uniquement pour une utilisation modérée et uniquement pour les tailles petites et moyennes. Voici maintenant un tableau comparatif des 3 modèles présentés précédemment, avec pour chaque modèle une phrase récapitulative du produit. Le Nordic Track T14, le meilleur tapis de course. Le Performance 410i de Proform, l'alternative. Le Sporttech F10, le petit prix. Si vous êtes intéressé par l'un de ces tapis de course et si vous souhaitez plus de précisions concernant un modèle, vous pouvez retrouver les liens vers les fiches produits et le détail de cette sélection en description sous cette vidéo.
Nous espérons que vous avez apprécié cette sélection des 3 meilleurs tapis de course et que nous avons pu ainsi vous aider dans le choix de votre produit. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu ou à nous faire part de votre expérience avec ce type de produit dans les commentaires. Pour suivre nos futures vidéos, nous vous invitons à vous abonner et à liker la chaîne. De nombreux comparatifs, guides d'achat et top 3 vous y attendent. C'était Consolab, à bientôt sur notre chaîne. Ciao ciao !